Les jours se suivent inexorablement. Sinistre. Mon quotidien du lundi au samedi. Même mes dimanches sont sans saveur, identiques d'une semaine à l'autre. Sauf en période de solde où là j'enchaîne les heures. Dans la boutique, j'observe les clientes. De tout âge, de tout milieu, de différentes morphologies. Pas toujours sympathique. Le monde est là sous mes yeux. Avec le temps, l'habitude, je sais reconnaître les femmes qui achèteront à celles qui sont là pour flâner ou en repérage. Il y a l'acheteuse compulsive amassant des tonnes de vêtements et d'accessoires qui s'accorderont au mieux, ou au pire, à chacune de ses tenues. Ces femmes qui peuvent tout s'acheter, qui sont donc incapables de se décider. Quelquefois, je le vois à la façon dont elles me regardent discrètement. Certaines m'ont envie. Mais si elles savaient comme je les envie aussi. Moi qui suis obligée de suivre les ordres de ma chef. Cette saison, il faut vendre du tweed. Hier, c'était de l'écossais. Demain, ce sera du bleu touareg. Et on recommence. La mode est un hold-up. Dans le fond, rien n'évolue. Comme on travaille ici. Tiens, voilà les deux meilleures copines. Celle qui a choisi sa meilleure amie, un peu plus ronde. Un peu moins jolie, toujours disponible. Pour être certaine d'être le centre d'intérêt. Ici, c'est assez amusant d'observer le stratège implacable de la belle face à la fascination de l'autre. Toute ma vie tourne autour de cette boutique. Combien de fois j'ai rêvé de vivre une autre vie? Mais je reste là à végéter, à entendre autour de moi les clientes se trémousser devant la robe ou le maillot qu'il leur faut absolument pour que leurs vacances soient parfaites à Bora Bora ou Tahiti. Des horizons qui me sont inconnus. Mais le plus dur, c'est la solitude. Obligée d'être stoïque. Toujours tiré à quatre épingles, quand au fond de moi, je suis qu'un torrent de larmes, prisonnière de l'image que je renvoie. Et cette femme qui vient dans ma direction, qui donne la main à son enfant, si seulement j'avais moi aussi un petit être à qui donner la main. Regarde maman, là une dame qui pleure. Mais dis pas n'importe quoi, c'est juste un mannequin.